Alors désolé, on attend toujours le Q pour la web diffusion, ce ne sera pas très long. Euh, René Cochot vient de se joindre à nous. Alors, René, euh, comme j'ai expliqué aux autres, Monsieur le maire va parler d'abord à l'occasion, ensuite euh, Danny McConnell du SPS. Et par la suite, s'il y a des questions. Euh, je vais. Les gens vont se présenter ici au lutrin pour y répondre. Monsieur Stéphane Simoneau est aussi dans la salle et Madame Danielle Bertel, la présidente du comité de sécurité publique. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro si vous voulez poser une question, mais en tout temps, fermez-le pour que ça ne fasse pas de retour de son. Si on ne vous entend pas, vous pouvez aussi écrire vos questions on va pouvoir les lire à l'écran et j'en ferai part aux intervenants. C'est bon, René? Voilà. Évidemment, votre question, vous l'écrivez dans la portion clavardage. On attend la web. Ah, bonjour, Mesdames Messieurs. Bienvenue à ce point de presse en direct de l'Hôtel de Ville de Sherbrooke, où on va faire état de l'état des effectifs à la Ville de Sherbrooke. Alors, il y aura une période de questions tout à l'heure, mais d'abord deux alluctions. Celle de M. le maire Steve Lucier. Et celle du euh, directeur du service de police de Sherbrooke, M. Danny McCandle. Alors, immédiatement, je laisse la parole au maire de Sherbrooke, M. Steve Lucier. Merci beaucoup. Alors, bon bon avant-midi. Bonjour, tout le monde. Mesdames et messieurs, gens des médias, merci beaucoup encore une fois d'être là. Je sais que ce n'est pas facile pour vous non plus. Alors, merci de passer le message. Je suis des votes ce matin évidemment pour une importante mise au point concernant les effectifs municipaux. Alors, comme vous savez, la Ville de Sherbrooke euh, emploie un nombre important de personnes, soit 1919 employés permanents, réguliers et temporaires. De ce nombre, 45 qui représente 860 personnes, travaillent en services essentiels et 25 sont en télétravail. Et euh, juste ce matin, nous avions déjà 400 personnes qui étaient affectées en télétravail, de ce nombre qui représente le 25 Et ce soir, on devrait atteindre normalement 488 personnes. Maintenant, 15 de nos employés, représentant 275 personnes, ont été mis à pied parmi tous les groupes de personnel. Du pourcentage de nos travailleurs restants, 8% sont en congé de maladie ou en congés sociaux non liés. Ça, je veux le redire, c'est non lié à la Covid-19. Ça représente 150 personnes. Les 7% restants représentent quant à eux la main d'œuvre disponible pour répondre aux besoins qui pourraient survenir. Ça représente 130 personnes également. De ces 130 personnes, il est important de comprendre qu'il y a des pompiers, des policiers en statut temporaire et qui ne sont pas rémunérés lorsqu'ils ne sont pas, évidemment, au travail. Ces derniers représentent 2 Nous croyons aujourd'hui qu'il est essentiel de garder notre bassin d'employés en devoir. Et ça, au cas où, malheureusement, le nombre relié à la COVID-19 augmenterait rapidement. Nous devons absolument assurer les services essentiels et ce, tout au cours de cette crise, conformément d'ailleurs au plan de contingence qui était fait aussi avec les services en vue de la reprise des activités normales. Évidemment, une fois la crise sera passée, on le souhaite. En terminant, soyez assurés que la ville de Sherbrooke prend tous les moyens essentiels pour vous offrir, oui, les services, c'est une chose, mais pour vous garder en sécurité. C'est facile. Aujourd'hui, ce que je demande à la population, c'est de suivre les consignes de la santé publique. Donc, on doit suivre ces consignes-là à la lettre, s'il vous plaît. Ils sont bien dites à tous les jours, alors on demande aux gens de les suivre. J'aimerais profiter aussi de l'occasion que j'ai aujourd'hui pour remercier tous les employés et les membres de votre famille sont à pied d'œuvre pour qu'on puisse gagner cette bataille-là et on va la gagner tous ensemble. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui donnent du temps, qui sont en moyen de pouvoir le faire donner du temps comme bénévoles dans les organismes qui sont dans le besoin actuellement. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Au plaisir de se revoir bientôt. En forme tout le monde. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Maire. Euh, J'inviterai maintenant le directeur du service de police de Sherbrooke, Monsieur Danny McEnnon. Alors bonjour à tous et à toutes. Quelques statistiques, quelques informations nouvelles de la part du service de police de Sherbrooke, en toute transparence. Euh, J'ai euh, malheureusement le devoir de vous annoncer que ce matin, on a un premier cas de COVID-19 euh, au service de la police de Sherbrooke. Euh, il semble-t-il le premier cas parmi les employés de la ville de Sherbrooke, si je ne me trompe pas. Alors, euh, ce cas-là était un, un policier en congé et qui ne revenait pas de voyage. Et euh, deux autres, ce qui a provoqué deux autres cas d'isolement euh, de façon préventive, bien entendu. Notre policier a le COVID-19, mais un risque faible, c'est-à-dire que les dangers de transmission sont plus faibles et effectivement, il est malade, mais on va récupérer ce monsieur-là. Il, il reçoit les soins appropriés, bien entendu. Et euh, ce n'est pas issu du SPS non plus. Alors, il n'a pas contacté le COVID-19 de la part de ses collègues et c'est de souche inconnue. Je tiens euh, Utilisez cette tribune aujourd'hui pour faire un appel à la population euh, versus l'honnêteté que vous pouvez avoir euh, par rapport à l'appel euh, de nos services. Alors, dans nos mots, euh, quand vous appelez la police, je n'y vais pas, on est là pour vous, mais s'il vous plaît, nous informer si euh, c'est un foyer qui est potentiellement euh, contaminé au COVID-19. Soyez rassurés, on répond à tous les appels. C'est juste que c'est une façon, on va prendre une façon différente et pour moi, c'est très, très important de. Protéger nos policiers à la ville de Sherbrooke. Alors, on va, tout, on va répondre à tous les appels, mais s'il vous plaît, informez-nous. Parce que des gens qui nous appellent ne nous disent pas qu'il y a le COVID-19 dans ce foyer-là et nos policiers débarquent en urgence, bien souvent ne se protègent pas nécessairement adéquatement. Alors, s'il vous plaît, nous informer de ça. Pour information et en toute transparence encore également, une augmentation de 31 des appels sans déplacement policier a été enregistrée. Du 25 au 26 mars, 150 d'augmentation des appels administratifs par rapport à des dénonciations pour quelconque rassemblement intérieur ou extérieur ou des dénonciations pour des commerces ou, euh, qui sont ouverts malgré l'interdiction. Alors on demande ici à une autorégulation, une responsabilisation, messieurs, dames. C'est très important de respecter cette euh, distanciation-là et les règlements qui sont édits par notre gouvernement. Toutefois, une baisse de 15 des appels par téléphone. Vous devez savoir que des ressources ont été... Euh, appelées et mises en place pour répondre à toutes vos plaintes par téléphone. Alors, rien n'est négligé, on est là, on prend vos plaintes, mais on a une baisse un petit peu par rapport à ça. Appelez-nous, 821 821-55-55, et on va vous répondre adéquatement, bien certain. Et on fera en sorte, mais par le téléphone. On a quelqu'un qui est là, on a des gens qui sont là, on a 10 policiers qui sont là pour répondre à vos appels par téléphone. On est disponible. tout est partout, dans la journée d'hier, 232 appels ont été répondus au service de police de Sherbrooke, ce qui est énorme. N'hésitez-vous pas? Tous les appels, sans exception, ont été répondus. En terminant, j'aimerais euh, vous signaler également qu'un premier cas, euh, un premier cas de constat d'infraction a été émis hier à Sherbrooke, euh, en respect de la loi sur la santé publique. Nous continuons à marteler la clou. À dire, s'il vous plaît. De, ouais, là, il y a un téléphone qui sonne. Alors, euh, nous continuons à travailler en collaboration avec les gens, à sensibiliser les gens. Et faire en sorte que nous puissions travailler avec vous et éviter ça. Pardon, un petit problème technique ici. S'il y a un journaliste en ligne, s'il vous plaît, veuillez fermer votre micro. Merci. Alors, juste pour continuer avec l'histoire du premier constat qui a été émis, euh, à Sherbrooke, de, de, pour, sur la loi sur la santé publique, euh, c'est un, un événement qui s'est passé le 26 dans la nuit du 26 mars dernier à 2h13. Nos policiers ont dû répondre à une intervention où euh, des, ça avait été signalé un rassemblement intérieur. On s'est rendu sur place euh, pour constater effectivement qu'il y avait des gens qui s'étaient rassemblés. On a demandé la collaboration, on a éduqué la personne en question, on l'a mise en garde par rapport à ça et on a quitté les lieux. Pour revenir, environ 20-25 minutes plus tard, Et malgré les avertissements, cet individu-là a continué à recevoir des clients pour euh, opérer son commerce illicite de stupéfiants. Alors, le premier constat a été mis à ce moment-là. On pense que euh, c'était la seule façon de pouvoir peut-être sensibiliser davantage. Malheureusement, par un moyen coercitif. en terminant, vous dire que nous avons les effectifs suffisants pour répondre. On est là pour vous, sans inquiétude. Continuez à nous appeler, et s'il vous plaît, euh, la distanciation sociale est très, très importante. Le respect des règles, le respect de ce qui est énoncé par le gouvernement est primordial. Alors, merci de votre collaboration, et merci surtout de votre attention. Merci. Alors, merci, Monsieur M. McConnell. Je m'excuse, je pense que c'est Radio-Canada. S'il vous plaît, veuillez fermer votre micro. Sinon, on va être obligé de couper la communication. Vous nous enverrez, les journalistes, en ligne, vos questions par euh, courriel ou par euh, clavardage dans la page où vous avez accès présentement à cette conférence de presse. Alors, voici, on va passer à la période de questions. S'il qu y a des journalistes présents dans la salle qui voudraient poser des questions, et on va demander à l'intervenant euh, de venir au lutrin, s'il vous plaît. Oui, comme prévu dans le décret, effectivement, un, pour une amende de 000 Étant donné la situation, effectivement, l'enquête est en cours. En fait, on a beaucoup, beaucoup d'appels, mais les gens ont début, depuis le début, début, ont déjà développé une certaine façon de faire ou nous à nous appeler à E21 5555 pour qu'on puisse traiter les appels par téléphone. Dans la journée d'hier, parce qu'on suit ça de façon très assidue, il y a eu une baisse. Donc, les gens continuent à nous appeler. On a une baisse de 15 Continuez à nous appeler, on va répondre par téléphone et traiter vos plaintes par téléphone. Bien, c'est encore par téléphone, mais c'est-à-dire qu'on prend la plainte par le téléphone. Alors, il y a, il y a beaucoup d'autres déplacements où on doit intervenir sur place, évidemment. Mais on cherche le moins possible à faire ça pour protéger les, la population et notre, euh, et notre personnel, bien évidemment. Oui, effectivement. Là, on a beaucoup de d'énonciations présentement là par rapport au regroupement intérieur et extérieur et aussi au niveau des entreprises et des commerces. Bien, votre question est très pertinente. Euh, effectivement, on, on rappelle aujourd'hui euh, de continuer à faire les appels au téléphone qui sont euh, à, pour, ce, pour le COVID-19. C'est-à-dire, on se souvient, le 1 644 4545 euh, Ne pas utiliser le 911 parce que ça répond pas assez vite au 811. Alors, s'il vous plaît, faites les appels d'usage au bon endroit. La police n'est pas là pour répondre à la santé, mais plutôt pour les appels de police, là. en soutien à la santé, évidemment. Non, faites le 81-55-55, s'il vous plaît. Merci. Merci de cette précision. Va? Bon. Alors, M. le maire, question pour vous? Ben c'est 15% quand même là, depuis le 13 mars dernier qui ont été mis à pied, selon le plan de contingence que nous avions mis en place également. Bon, écoutez, ça l'évolue beaucoup. Et pour l'instant, je tiens à rassurer les gens, ce n'est pas le cas d'en mettre tout de suite d'autres à pied. Il faut comprendre qu'il y a quand même une étape à suivre. On va suivre les étapes du gouvernement. Hein? Donc, c'est sûr qu'ils nous lancent des messages à tous les jours, vous l'entendez, de voir bon, tout ce qui se passe. Ça a évolué beaucoup depuis le 13 mars dernier, mais pour l'instant, je tiens à rassurer les gens. Là, c'est pas le cas. On doit continuer à donner le bon service aux citoyens, citoyennes. C'est ce continue. C'est ce qu'on continue à faire. Et je dois dire qu'on fait beaucoup de télétravail. Vous avez vu, hein, on est passé de 60 personnes en télétravail la semaine dernière à plus de 400 aujourd'hui. Ce soir, je l'ai bien dit, on devrait finir normalement à 488 personnes en télétravail. Alors, c'est un gain important. On n'était pas prêt à ça. Il a fallu s'adapter aussi. Alors, je remercie les services aussi qui font beaucoup d'heures de travail actuellement. Oui. Euh, non, ils sont non rémunérés actuellement. Oui. Non, 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 pas du tout. Ça continue. C'est juste qu'on voulait avertir les gens, là, justement, pour ne pas qu'on se retrouve avec d'autres problématiques dans certains secteurs, de ne pas mettre leur lingette directement là, euh, dans les égouts, c'est-à-dire par euh, y a la, 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 la salle de bain, la, la toilette, là, de ne pas faire ça et surtout de ne pas non plus mettre de la graisse là, euh, directement dans le levier ou euh, dans, dans les toilettes. Là. Il ne faut pas que ça bloque euh, notre tuyauterie. Ça, c'est bien important. C'est un bien essentiel. Ça continue aussi au niveau des trois bacs. Alors, autant les déchets, le recyclage que le, le compost. C'est tout. Pas d'autres questions? C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ça va? Alors, on va quitter la webdiffusion. On vous invite à le réécouter sur le site de la ville euh, au cours de la journée. On a eu quelques problèmes techniques avec les médias qui sont en ligne présentement. Alors on va poursuivre avec les journalistes et euh, s'il y avait d'autres questions on va attendre quelques minutes pour voir si les questions rentrent avec nos intervenants. Sinon mesdames et messieurs continuez à suivre le site web de la ville de Sherbrooke sherbrooke.ca barre oblique covid19 et vous aurez toutes les informations sur ce qui est ouvert, fermé et les nouvelles indications qui seront promulguées par le gouvernement également. Merci de votre présence et à bientôt. Alors, la web diffusion étant coupée maintenant, on va attendre de voir. Question pour les deux intervenants de Michael Demers. Euh, on a une question de Jonathan.